ça s'appelle les ballets d'action et ça dit tout finalement en peu de mots. Il s'agit pour Nevers, dans ce nouveau genre qui porte à sa perfection, de montrer qu'il peut, à travers la danse, raconter de façon aussi efficace une histoire qu'on pouvait le faire dans la tragédie ou dans l'opéra. Donc c'est ça qui était le fil conducteur du travail de Marie-Geneviève Massé et de moi au démarrage, c'est de se dire qu'est-ce que ça raconte et comment ça le raconte. Pour moi, il s'agit d'exprimer les émotions avant tout. Et donc, ce sont deux magiciennes, deux femmes amoureuses et trahies. Alors, elles vont réagir différemment. Enfin, de toute façon, comme elles sont puissantes, elles vont détruire des choses. Mais ce n'est pas tellement ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la similitude à ces deux femmes, le côté intemporel des choses. Hein, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière fois. Et comment on va traduire ça par des gestes qui ne vont pas remplacer la parole, mais au contraire des gestes qui vont souligner l'émotion, les différentes passions dans lesquelles elles sont. Fin du XVIIIe siècle en France est une période assez ambiguë puisque d'un côté on apprécie beaucoup les sujets, voire les livrets ou les arguments de ballet ancienne manière de l'époque de Louis XIV, et d'un autre côté on apprécie quand même des choses qui sortent justement de ces scènes obligées et notamment de ces scènes merveilleuses où on voit systématiquement les mêmes allégories ou les mêmes divinités. Finalement, les deux ballets de Nevers se placent à la frontière entre ces deux aspirations de conservation d'un côté et de modernité de l'autre, puisque dans Renaud et Armide, on a plutôt l'idée encore du merveilleux avec des naïades, des tritons et des monstres marins qui viennent essayer de tourmenter le chevalier danois et Ubald. Le premier ballet, Armide, on a souhaité le replacer dans un contexte, je dirais plutôt, dans le baroque, avec son côté enchanteur, la magie, mais plus avec le côté naïf, oui, je ne sais pas comment dire autrement que enchanteur, féerique, raffiné, élégant, ludique aussi. Dans Médée et Jason, par contre, on a certes des allégories qui sont le fer, le poison, le feu, mais en fait qui sont plus vues comme des éléments en fait psychologiques de la personnalité de Médée. Et en fait, c'est comme une sorte de personnification des tourments qui animent l'être intérieur de Médée. Yes.
c'est sûr que Médée ne doit pas être traitée comme une sorcière sanguinaire et enfanticide. C'est surtout une femme blessée, affreusement femme, c'est-à-dire jalouse, très amoureuse, et puis qui a été rudoyée, qui a été trompée, qui a été bafouée. Donc, l'histoire de Médée est telle, c'est tout, c'est un mythe violent. Si on lit l'argument de Médée et Jason, il est écrit que le décor se transforme et qu'en fait le théâtre représente une grotte affreuse dans laquelle des démons et différentes allégories vont entrer à la demande, à l'appel de Médée. Là on est plus dans la passion même. Même si Médée est une magicienne, on a considéré que le moment dans la grotte, ou le moment où elle va faire venir les esprits, tout ça, c'était son propre esprit. C'était pas une magie... les esprits infernaux sont plus là pour représenter l'état de fureur dans lequel elle est et la décision de vengeance qu'elle prend. Nover, quand il écrit ces quelques lignes dans l'argument, en fait, on voit bien qu'il veut autre chose et qu'à ce moment-là, en fait, il veut une sorte d'introspection, de représentation de l'intérieur, finalement, de l'âme de Médée, et qu'en fait, les démons qui apparaissent, les allégories qui apparaissent, ne sont en fait que les sentiments qui anime Médée et qui la tourmente. Et donc finalement, c'est une sorte de vraiment d'introspection, malgré le côté fantastique et surnaturel que le théâtre peut représenter à ce moment-là. Dans Renaud et Armide, justement, le ballet est beaucoup plus proche, enfin, il est plus proche de l'esthétique du XVIIe siècle. C'est ça qui était aussi intéressant dans ce que nous a présenté Benoît Dradviki, le CNBV, en nous proposant de monter ces deux ouvrages, c'est qu'on a pu identifier très vite, et ça c'était un travail d'analyse au départ entre Marie-Geneviève et moi, que le premier ballet Renaud et Armide est plutôt le reflet, la fin d'une esthétique du XVIIe, alors que Médée et Jason anticipent sur l'esthétique romantique. Le propos, c'est de faire un décor historique, de même que dans le principe de la musique baroque, on travaille sur instruments anciens. Là, on restitue par le décor ces contraintes techniques. Le principe de ces décors sont des tableaux. Et ce sont des tableaux qui sont changés à vue. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de rideau de scène. Donc le public, une partie du plaisir, dans ce principe de théâtre à machine, où tous les éléments de décor peuvent disparaître, apparaître, on peut enchaîner les effets. Le principe du théâtre baroque étant l'étoile peinte et la machinerie. Et cette année, dans ces deux ballets, l'idée, c'était pour le premier ballet, donc Armide, de représenter l'île enchantée d'Armide, et donc le spectaculaire vient des flots qui s'écartent et qui laissent apparaître l'île enchantée d'Armide. Quant à Médée, l'idée c'était d'avoir un grand palais, le palais de Créon, où se passe le principal de l'action, et qu'à un moment ce palais, d'une part, puisse se transformer en grotte affreuse, comme il est dit dans l'argument de Nover, donc il y a cette transformation qui est prévue, et puis surtout, à la fin, le palais s'effondre, et ça c'est une scène typique de l'opéra baroque, cet effondrement final du palais, et donc là, pour la première fois, je crois, à Versailles depuis très longtemps,
nous restituons un effondrement de palais à la manière d'époque. Donc c'est un côté un peu surprenant, mais en même temps tout à fait charmant. Certes, c'est un peu premier degré, mais c'est ça qui en fait justement le deuxième degré, de le regarder aujourd'hui s'écrouler. Et c'est une technique de machinerie assez particulière que nous avons réhabilitée à cette occasion.